Brandoukro, première escale d'un périple long de 197 km sur le terrain pour vérifier sur pièce toutes les réalisations du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénier-Diablin. Un don de la BAD, Banque africaine de développement, d'une valeur de plus de 16 milliards de francs CFA. Le préfet de région, administrateur du projet, comme décidé par le ministre de l'Agriculture, le président du conseil régional et son équipe, pour traduire en faits de gestes l'engagement des Gampatiers Mélèges sur le suivi régulier des cadres de la région. Les membres du comité de pilotage, tous, comme un seul homme, observent, vérifient, interrogent, écoutent, échangent. Même les obstacles naturels sont franchis sans regret, parce que le projet est important pour la région, a indiqué le président du conseil régional. Les pistes, c'est une avancée notable. Pour les bas-fonds, beaucoup reste à faire. Une chose est visible, la volonté des parties prenantes. Les insuffisances constatées vont être corrigées, ont recommandé les membres du comité de pilotage. Ils ont arrêté le budget 2014 à plus de 6 milliards de francs CFA. La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée à mars 2014.